Je fais partie de l'équipe de Death Tracker, l'équipe de Mo. Ouais. On fait du roller derby. Et le roller derby, c'est un sport de contact. Il y a des bloqueuses, il y a des jameuses. Les bloqueuses aident leurs jameuses à franchir un mur. Et la jameuse a 2 minutes pour faire le maximum de tours. Ah, c'est ça. Une piste qu'on appelle le track. Ah, okay. C'est la jameuse qui passe la première, le mur adverse. Et la vite jameuse, et c'est elle qui mène le jam. Elle peut arrêter le chrono à tout moment. Ah ouais, c'est pour ça que ça siffle alors? C'est pour ça que ça siffle, exactement. D'accord, très bien. Et donc le jeu se fait à 10 joueuses sur la piste, 4 bloqueuses, 1 jameuse pour chaque équipe. Mais ça se fait en 2 périodes, c'est 30 minutes par période. D'accord. Et entre les périodes, on a un temps de 15 minutes. Donc ça, c'est la mi-temps, quoi, en fait. C'est la mi-temps. Ouais, d'accord. Ok. Et à l'issue du match, l'équipe qui a le maximum de points remporte le match, c'est-à-dire qu'un match ne peut jamais finir à égalité. Jamais. Et pour le match se gagnera à la fin par ce qu'on appelle un tour de jam, où les jameuses ont 2 minutes pour faire le maximum de points. D'accord, c'est pour ça qu'on a dépassé le temps limite. Exactement, par exemple. Ah ouais, ok. D'accord. Mais tout est soumis à la direction des refs, les officiels, ce sont les arbitres. C'est eux qui veillent à la sécurité, à la bonne réalisation du match, pour la sécurité de tous, des joueuses, des bloqueuses, des jameuses, et que le spectateur et que l'ensemble des personnes dans le gymnase, puissent comprendre ce qui se passe par rapport au match qui s'est déroulé.
D'accord. Et on a ouvert cette année également une ligue enfants, où on apprend aux enfants, après une période d'apprentissage de patinage, on les initie au roller derby. D'accord. C'est différent. Parce que les enfants au premier niveau n'ont pas droit au contact pour leur sécurité. Et petit à petit, jusqu'au niveau 3, ils peuvent avoir un niveau de derby adulte. Mais on veille avant tout à la sécurité des joueurs et des joueuses. L'équipe des enfants est mixte, les garçons des filles. Ah ouais, très bien. Et l'idée, bah, c'est qu'on puisse faire découvrir ce sport qui a des valeurs avant tout de respect, d'acceptation de tous. Ouais. Et quelle que soit la taille, quel que soit l'âge, et de façon à ce que chacun puisse trouver sa place. Au derby, chacun a sa place. Très bien.